n'y a plus de plastique, mais on compte aussi ce qui va arriver en bas de chaîne et qui va devoir coûter pour son recyclage. Et donc les entreprises contribuent, en même temps qu'elles produisent, à réguler, dans un grand système de cycle, à réguler l'équilibre de notre planète. Enfin. Aujourd'hui, l'économie ne compte bien qu'une seule valeur, qui est la valeur monétaire. Et il est temps dans nos comptabilités d'intégrer d'autres formes de valeurs, hein, comme tout ce qui est lié au climat et tout ce qui est lié aussi à l'inclusion sociale. Une économie, enfin des entreprises, etc., qui créent seulement de la valeur financière, et se dire que le rôle de l'entreprise, c'est également de créer donc, de la valeur sociale, comment elle le fait, à quel point elle est efficace quand elle fait ça, donc il faut le mesurer. Qu'on intègre tout ça et que dès à présent, le consommateur, quand il achète un produit qui sort de ses systèmes de production, il puisse savoir, donc voter pour le système que lui veut voir arriver, quoi. Ubuntu, ce concept, quoi, qui dit qu'on existe individuellement au travers d'une collectivité. Il faut retrouver cette harmonie entre toutes les tensions de l'économie, de la géopolitique, du climat, des écarts sociaux, y compris les personnes morales. Comment est-ce qu'elles-mêmes, elles participent à cet équilibre-là? Ce serait top. Donc, Ubuntu.